Beaucoup. Et oui, ça comptait beaucoup d'ailleurs. La preuve, écoutez ce qu'il en disait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les amours? On rencontre une fille, on a envie de la baiser, et puis... Tu n'avais pas envie du tout, dis donc. Tu trouvais que j'étais plutôt mal foutu, mais que je pleurais bien. Là-dessus, tu avais raison. C'est vrai. Non, écoute, non, après, c'est devenu plus sérieux. Peut-être. Mais moi, ce qui m'a charmé, en tout cas, c'est que le fait qu'il roulait comme ça, comme si il mettait le disque de Bardot, bon, qu'il avait enregistré avec elle, il avait l'air de rouler. Et je t'aime, moi non plus. Mais je m'en fous. Après ça, on est allé dans une... Non, mais après, on est allé dans une boîte de nuit, et ce que je trouvais charmant, c'est que lui qui roulait tant, me marchait sur les pieds, il ne savait pas danser. Et c'était ça que je trouvais... Non, mais je blague pas. C'est ça les gens pudiques, c'est ça les gens touchants. C'était lui en marchant sur mes pieds. Là, il m'a eu. Il m'a eu là, absolument. Parce qu'il n'était pas celui qui faisait semblant d'être du tout. En fait, je suis un garçon très pudique et tout sentimental. Mais je le cache. Parce que je ne veux pas dévoiler mon moi personnel. Je vous soumets un exercice qui est certainement le plus difficile. Jen, s'il fallait définir Serge en un mot, n'importe lequel, un mot de la langue française, c'est extrêmement compliqué, mais j'aimerais avoir un mot de la langue française. Et Serge, définir Jen, un mot de la langue française. Toi. Hihihi, je t'ai eu. Tu triches, tu fais du temps avec ta clope. J'arrive pas à l'allumer, bordel. Non. Attends, j'arrive pas à l'allumer, chier. Ah, merde. Qu'est-ce qu'elle a dit, toi? Toi. Moi, j'ai dit moi. Moi, je trouve que ça... Non, mais je pourrais dire « et moi ». Mais comment tu l'écris « et moi » En deux lettres? En deux mots ou en... Un mot, « et moi ». Hein? Tu as raison. Comme émotion. Beau geste de Jen et de Serge entre eux. Pendant cette même